Tous les soirs, 18h, question pour des champions. Et alors, Martine, là, on a les deux meilleurs candidats de la soirée. Martine, responsable marketing, elle habite Saint-Jean-de-Luz. Son point fort, c'est la musique. C'est vague, hein, la musique. Ouais, mais c'est toute la musique. Toute la musique. La classique, aussi bien l'opéra que Mozart. Tandis que, Yannick, non, c'est pas ça du tout. C'est pas Mozart, Yannick. Lui, c'est le son. C'est du lourd, c'est du graisseux, c'est du... un peu de hard rock. Un petit peu, oui. Bah, bien sûr. Mm-hmm. Professeur de français, mathématiques, allemand, musique, histoire... géographie et saut à l'élastique. Il habite Monté, la Suisse, et il salue sa famille d'ailleurs. Oui, alors toute ma famille en Suisse, en Bretagne, dans la région parisienne, au Canada et à New York. Puis bien sûr, tous les copains, tous les élèves. Oui, bien sûr. Ouais. Yannick, face à Martine. Alors, 20 secondes pour répondre à chaque question, pour prendre la main à tour de rôle. Je rappelle que c'est un match en 15 points. La cagnotte augmente de jour en jour. Et on en est à 58 700 euros ce soir. 5 victoires pour décrocher une belle somme, 58 700 euros. Parti. Culture générale, première question. Un élément de réponse pour vous et le candidat qui commence, Yannick. Je laisse la main. Petit objet très ancien, désigné par un mot de 4 lettres, dont la caboche, la broquette, la semence sont des modèles, je figure dans de nombreuses expressions imagées. Petite pièce métallique utilisée en cordonnerie, menuiserie, tapisserie, oui. La clé? Non, la clé c'est non. Tabassique dans le bâtiment, je suis composé d'une extrémité plate, parfois élargie, et d'une tige se terminant par une pointe. Accessoire de fixation qu'on enfonce à l'aide d'un marteau. Je suis, oui. Un clou. Bien sûr, un clou. Alors là... Pardon. Il y avait une belle chance, là. Ouais. On laisse passer le clou. Dommage. 1-0, une femme célèbre. Je prends la main. Militante française, disparue il y a 110 ans cette année, et je suis secrétaire de la Société démocratique de moralisation en 1869. Oui ? Louise Michel. Ça, c'est beau. Ah là, on s'est rattrapé. Figure majeure de la Commune de Paris, déportée en Nouvelle-Calédonie en 1873. Mon activisme me vaudra notamment le surnom de Vierge Rouge, Louise Michel. 4-1, sport. Sport. Je prends la main. Stade Omnisport, conçu par l'architecte Werner Marsch. J'ai été rénové entre 2000 et 2004. Construit à l'occasion des Jeux Olympiques d'été en 36, oui. Le stade olympique de Berlin. Voilà, Berlin, très bien. Construit à l'occasion des JO d'été de 36, le stade olympique de Berlin. 5-4, culture générale. Je prends la main. Donnez-moi cette monnaie, monnaie divisionnaire d'un pays étranger. La production de ma plus petite pièce a été abandonnée car elle coûte en fabrication 47 fois plus, oui. L'euro. Non. Top 47 fois plus que ma valeur faciale. Existant sous forme de pièces de 1, 5, 10, 50. Je présente, oui. Le penny. Non. Top sur l'Avers, Saint-Georges, terrassant de dragon. Devenue une monnaie divisionnaire sous Pierre le Grand, oui. Le rouble. Non. Top avec l'instauration, ah oui. Le COPEC. COPEC, d'accord. Valant un centième de rouble. Un centième de rouble, c'est le COPEC. Botanique. Allez, Yannick. Je laisse la main. Mais quel est cet élément reproductif de certaines plantes à fleurs? Au sens strictement botanique, mon nom s'applique aux graines du café ou du poivre, oui. Le pollen. Non. Tant souvent enrobé d'une cire, d'une cuticule très dure ou d'un mucilage, je peux être ingéré par les animaux sans être digéré et garder ma capacité à germer. Petite graine des fruits qui en contiennent plusieurs, comme l'orange, le raisin. Oui. Le pépin. Pépin, très bien. Par opposition au noyau qui ne contient qu'une seule graine. Le pépin, 7-6. Cinéma. Chacun son tour, c'est Martine qui réfléchit. Je prends la main. Cinéaste français, né en 1906, ayant été apprenti ébéniste selon la volonté de mon père avant de m'orienter vers la photographie. Oui. Renoir. Oh non. Comme j'ai raconté ma vie dans le livre La vie à belles dents. Débutant au cinéma comme assistant sur plusieurs films de Jacques Feder. Je réalise en 36. Oui. René Clair. Non.
Top Jenny, mon premier long métrage qui marque le début de ma collaboration avec Jacques Prévert, réalisateur de drôles de drames, Des Enfants du Paradis. Là, Yannick, Les Enfants du Paradis, là vous l'avez. Cocteau? Non. Là vous l'avez. Top, je suis. Oh si, 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 si. Les Enfants du Paradis, c'est Carnet. C'est Carnet, Marcel Carnet, Sciences et Techniques. Question pour des champions. Tous les soirs, France 3, c'est votre rendez-vous. Et que dit Yannick? Je laisse la main. Ensemble de données, appelé Livret en Suisse. Je donne parfois quelques difficultés aux enfants lorsqu'ils doivent mémoriser dès l'école élémentaire. Oui? Les tables de multiplication. Voilà! Tournant du match, Martine est en tête. 10, 7, littérature. Je garde. Quel est cet ouvrage littéraire révélé en Occident par la traduction française d'Antoine Galland? Je réunis des histoires d'inspiration indo-persane ou mésopotamienne, oui? Les lettres persanes. Ah non. Tu as mis en scène le roi de Perse, Shahriar, qui décide de faire étrangler son épouse. J'intègre des contes à l'origine autonome, oui? Les mille et une nuits. Voilà, les mille et une nuits, d'accord. J'intègre des contes à l'origine autonome, comme les voyages de Sinbad le marin. Les mille et une nuits, égalité. Une période de la vie. Je prends la main. Ta période de la vie ayant été qualifiée de féodale à Paris et de coutumière dans la France du Nord, j'ai connu des variations au cours des siècles, tout en comportant une exception pour le roi. Établie sous l'Ancien Régime, à 25 ans pour les garçons comme pour les filles, oui? La majorité. Ouais, la majorité, très bien. Fixé à 18 ans en France en 1974, 18 ans la majorité, en France, 18 ans. 13 à 10. Animaux. Martine, près du but. Je laisse la main. Reptile, saurien, devant mon nom à un mot d'origine arawak. Ma famille compte plus de 700 espèces et les plus grandes, mes spécimens peuvent mesurer jusqu'à 2 mètres de long. Oui. L'alligator? Non. Non, Yannick. Tu as presque exclusivement réparti sur le continent américain. Je me caractérise par ma crête dorsale d'écailles pointues. Oui? Le caïman. Caïman, c'est non. Non, Martine. Top grand lézard, donc oui. L'iguane. Iguane, voilà. Ça, c'est bon. Égalité. Faut vraiment être très concentré sur la question qui vient. Yannick, Martine, ça se joue maintenant. Musique. Ah, vous aimez la musique. Ah, je prends la main. On va voir ça tout de suite. Chanson, dont l'adaptation française est due au père Jacques Sevin. Je suis célèbre dans les pays anglo-saxons où mon air est parfois plus connu que mes paroles. Arrangée par le poète Robert Burns, je suis en fait une chanson traditionnelle écossaise, reprise en chœur en formant un cercle. Je suis chantée au Nouvel An, à la fin de réunion conviviale. Chanson dont le refrain dit en français... Oui. Amazing Grace. Ah non, ça c'est non. Top en français, oui, nous nous reverrons mes frères, oui. Ce n'est qu'un au revoir. Ce n'est qu'un au revoir, voilà. Terminé. Et c'est gagné. Victoire de Martine, 15 à 13. Merci Yannick. Merci. Et bon retour à Monté, le canton du Valais. Alors pour terminer, c'est un ensemble multimédia composé d'un ordinateur, une tablette, smartphone que je vous propose de gagner. Vous n'avez que quelques minutes pour jouer sur cette question. Quelle science étudie les végétaux? La botanique, réponse 1. La musicologie, réponse 2. Le 32-43 est à vous. 32-43. Par SMS, vous tapez la réponse 1 ou 2 au 7-10-20. Et tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Martine, bravo. Alors là, elle vient de remporter sa première victoire. 500 euros. On s'arrête là ou bien on peut continuer. On tente une deuxième victoire et 1000 euros. Attention, il y a des risques. Et vous êtes à 4 marches de la cagnotte. Cagnotte à 58 700 euros. 4 marches. C'est votre décision. D'abord, votre réflexion, Martine. À demain, mercredi, 18h, France 3.
Et TV5 Monde, Martine décide. Pour le plaisir, je reste. Voilà, question pour une championne. Bonne soirée à tous et à demain.